Et ouais, hop, on est reparti. Petit truc à finir avant. Pum pum. Bon. Ah, j'ai eu un joli cadeau aussi de la part d'Axel, l'ancien propriétaire de Macapou, qui a retrouvé des documents de Macapou, dont notamment un fascicule livret avec pas mal de choses en français dedans. Alors je savais pas qu'ils avaient décliné d'entrée de jeu en fait Macapou en plusieurs niveaux. Spoon, oh j'ai eu un truc spécifique. Donc ils avaient décliné la Macapou en plusieurs niveaux, déjà un niveau de stage en fait tout simplement, on pouvait acheter avec plus 10, plus 15, plus 75 chevaux supplémentaires. Enfin bon, du coup bah, normalement ça devrait être posté avant que la vidéo soit postée. Donc bah, vous aurez le tout sur Facebook si vous voulez aller voir. Et c'est assez sympa. Je m'attendais pas à ça, c'est un super cadeau de la part d'Axel, c'est vraiment cool. Et puis si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Allez, plus que 20. Alors j'ai vu des trucs pas mal quand même à passer, il faudrait qu'on aille voir ça quand même, hein, pour mettre un maximum de style sur Macapou. Là, le moteur spoon, je suis... Oh, oh, ça c'est bien, un bon turbo. Le moteur spoon, je suis quand même assez... bien envie de voir ce qu'il donne. Ok. FR9, ok. Ça va, un deuxième, c'est tout, ça va, très bien. Et le dernier. Et voilà, on en aura fait 150 quand même, hein. C'est beaucoup. Hein. Alors maintenant, on va pouvoir aller voir. Ouais, on va d'abord se faire plaisir, on va regarder un petit peu les trucs. Oh, c'est pas mal, c'est vraiment sympa. Oui, fou, ouais. Police. Ah ça on pourrait le mettre sur... si on avait 80... Sur une petite Truino Panda, ça irait très très bien. Sympa. Moi je l'en ai plusieurs celui-là. J'aime bien. Couleur. Jaune. Ouais ça. Ouais. On en double. Oula. Ok. 67, pourquoi pas. Celle-là est vraiment pas mal. Hein. On l'a en plusieurs fois. Ok. Ouais. Tout brouillé. Vous savez quoi? On va juste faire ça. On va déséquiper. Et on va aller voir après la suite. Alors. Ouais, le tout. Pourquoi pas. Caragold, ok cool. Allez, ça fait du style. Neotint. Alors je vois pas la différence. Qu'est-ce que c'est Wood. Ah mais genre. D'accord. Ouais, là pour moi. Ouais, Sven, je veux dire. Sven. Le Reine des Neiges, on peut le faire. Oui, la teinture en fait, je suis con. Alors. Ça là, celui-ci, c'est pour les phares en fait, tout simplement. Ah, c'est les trucs qu'on peut mettre derrière. Bah vas-y, je vais mettre une moto, tranquille, on est bien. Par contre, ça peut être pas mal pour un camion ou autre. Vraiment, vraiment chouette. Ouais, on va pas viser quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu celui-là. Ouais, c'est méga abusé. C'est méga gros quand même pour l'instant. On peut pas l'équiper celui-là. Ouais, petit buff. Ouais. Sachant qu'un jour peut-être je passerai avec un truc comme ça sur un capot. Eh ben, hey. Hein. On est parti sur le high niveau.
Bon, tac. Du coup, on a eu celui-là, on a eu un bleu, on a eu un rouge. J'aime bien le rouge, il est pas mal. Après, les autres, c'est des normaux, donc... moins 90, quand même, vite. Ah, ça permettrait quand même de gagner du poids. Moins 120, moins 110. Et on reste sur du rouge, quand même, sur... Hop. Et c'est là, on a les packs carrosserie. Alors, ça, c'est quoi? Ok, c'est pour l'arrière. Ah, je suis... Ah, il est équipé sur l'autre, d'accord. Ah... Heavy bash. C'est pour enlever, ok. Ah, ouais, le truc drag. Ok, d'accord, je comprends. C'est le... Hop. Ouf. Ben est équipé. Eh ben, hey, tu sais quoi, regarde. Hop. Kit large. L'avant avec une palette. Hop. Oh là là. Ah, c'est pas mal. Ok. Et en bombe de peinture, on a eu... Alors, on a... Ouais, celle-là, c'est la white, c'est celle que j'ai eue. Rainbow, ok. Carotte. Ouais. Après, j'ai d'autres couleurs de base. Stock. On va reprendre la noire. Et on va lui mettre un petit... Moi, j'aime bien celui... le tout simple, celui-là. Ok. Et alors avant le moteur, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Ah, c'est pas beau ça. Trop gros. Ouais, ça c'est. Faites ça si vous voulez. Si on reste sur le rouge, ça sera voilà. C'est un peu les. Avec du camber, je suis pas fan du tout. Mon jaune, ça fait trop. Les roues sont trop grosses en fait. Faut regarder le poids aussi, hein. Faut qu'on optimise quand même un peu. Oula, j'ai plein de doubles. Hein. Ouais, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup. Faudrait que je fasse du nettoyage. Plein de choses à vendre. On prend les boîtes à navire. Hein. Je pense que ça vont bien les boîtes. 50, ça va. Ok. Alors le turbo du coup je l'ai en double. Ouais c'est le même. Hein. Ok. Mais ici j'ai rien eu, hein. J'ai eu un écu mais c'est celui-ci que j'ai en double déjà. Donc j'ai déjà. Ok. Allez. On a le LSX en deux fois. Alors, 280 en poids, 627 en HP. Ah le FR9 est plus puissant. Oh le spoon, vous avez vous? Ah ouais, il fait quoi le spoon? Ok ouais c'est juste 2 litres. Ok, celui-là. Ok, c'est un 5 litres 8. 423 en spin hein, quand même. Pour. Et le SR20. Ah il m'envoie en R1 quand même. Ah, c'est le turbo qui fait tout sur le SR. Et ben on l'équipe en FR9, hein? Voilà. Et du coup... Ouais, on est obligé de rester comme ça, on peut pas l'équiper là-dessus. Ok. Et ben, je vous propose, pour finir, on va aller tester ça. Ah si, j'ai eu ça. Pour équiper. Voilà. C'est au cas où c'est pour s'arrêter, non, parce que bon, en même temps, 300 et quelques chevaux. Alors celui-là est peut-être plus stylé quand même dans le truc avec du jaune. Ouais, ce serait peut-être un peu plus stylé. Mais j'avoue que celui-là, il est en mode abusé. Ouais, on prend celui-là, c'est en mode abusé.
Et on va prendre, alors 350 de grippe, on va prendre du rouge. En fait, celui-là sont meilleurs. Donc si, voilà, on gagne un peu en grippe, mais c'est pas énorme. Les lilas, ils sont pas mal aussi. Enfin, ils sont jolis sur le... Ok, bon, on va prendre cela, comme ça vous allez voir, on va faire un peu le truc. Et du coup, j'ai eu les Vix Bag en double, donc c'est pas grave. Bon, et bien on est parti, on va tester, je suis désolé, ça prend un peu de temps. N'importe quoi cette capou. Bon, allez hop, c'est parti, on va tester ça. Drive, run, amateur. Donc j'ai calé un temps en dessous de 7 secondes avec la GTR, on va essayer de faire. Alors. Ça fait du bruit. Tu fais un faux départ. Hein. Ouais, bravo. Bravo Sven, bravo. T'es mauvais. Non, on la refait. Un bruit. Ok. Je me suis foiré, j'ai éclaté mon temps. Allez. Ah, il faut la refaire. On la refait une dernière fois. Vache. C'est n'importe quoi, je suis parti gavé en retard. Ok. Bon, on sera peut-être en deux parties, en deux épisodes, hein, quand même, là. Et tout, parce que c'est un peu long. Et on fait une dernière pour tester. Ah, le son, par contre, alors. Donc 9005 à peu près. Je suis sûr il y a moyen quand même de passer en dessous des 6-7. Enfin voilà. Voilà. On va en profiter, on va aller ouvrir vite fait le dernier. Hop, le petit dernier cadeau. On a eu un petit truc. Une petite peinture. Mais franchement, voilà. Ah, c'est que du bon. Moi, je voulais un moteur un peu plus puissant pour essayer de gagner un peu plus, enfin, les niveaux au-dessus. Donc, ça va être cool. On va pouvoir le faire, je pense. Et ça va me permettre peut-être de finir justement les races. Parce que du coup, ici, si on va en tournoi, voilà, je peux faire celui-là. Ça me permettrait d'avoir quand même gagné la ligue. Ça peut être pas mal. Du coup, c'est vrai que moi, ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien faire du story mode, même en drag, on n'a pas encore Rivality qui est ouvert. Et story mode n'est pas ouvert, donc bon, ce serait peut-être l'occasion. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et puis, surtout que vous en voudrez peut-être la suite, vous continuez, enfin, vous voudrez peut-être suivre la suite. Normalement, le prochain épisode, on devrait s'attaquer du coup au tournoi, à la Ligue Pro. Pour voir si on arrive à passer en dessous des 6 secondes. J'aimerais bien passer en dessous des 6 secondes 6, voire 6 secondes 5. Je crois que c'est le minimum pour gagner la Ligue Pro. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, abonner, commenter, partager. Bref, tout ce que vous voulez. Envoyez-moi des pigeons voyageurs si vous voulez. Ce serait cool. Donc voilà. Eh bien, écoutez, à la prochaine. Ciao.